premier anniversaire du terrible drame qui a eu lieu sur le mont Washington. Chef local, Annie Klein, qui est chargée de l'enquête. Merci de me recevoir, Marty. Aux auditeurs de la situation des malheureuses jumelles disparues, Anna et Bess Washington. Il y a tout juste un an, les filles Washington ont quitté la sécurité du chalet de leurs parents en pleine tempête de neige. Thèse de l'homicide. Pas officiellement, non. Une personne en particulier retient toute notre attention, mais nous ignorons tout de son emploi du temps. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington. Remis en garde contre la poursuite de leur projet de construction. Et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne. Se pourrait-il qu'il s'y cache? Mes hommes ont fouillé le terrain, mais... Théo, les filles n'ont pas pu aller jusque-là. Quelque chose dans cette montagne semble déclencher des tragédies. C'est rien de le dire, Marty. Merci d'être venu nous voir. Au Washington ce soir, fils Josh, à l'occasion de l'anniversaire de la mystérieuse disparition d'Anna et Bess Washington. Salut à tous, amis et fans. Ah, ok, ouais, on le refait. Ok. Salut à tous, amis et fans. C'est vraiment énorme de tous vous retrouver cette année. Voilà, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. Donc, je voudrais prendre une seconde pour aborder le sujet sensible. Je sais que vous vous faites tous du souci pour moi, et je sais que ce sera sûrement dur de retourner sur place après ce qui s'est passé l'an dernier, mais... Je tiens à vous dire une chose. Ça me touche. Ça me touche énormément qu'on fasse ça. Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous, de partager avec vous des moments inoubliables. Mais je le fais pour mes sœurs. Vous voyez? Ok, donc... Allez, on fait la fête comme des dingues et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans les mémoires. Ok? C'est parti! T'es pas dans le sac, quand même. Eh ben, regardez-moi ça. Je devrais peut-être pas fouiner dans les affaires de Chris. Sam, t'as pu venir? Oh, alors, j'ai trouvé un truc plutôt incroyable. Quoi? Je te dis rien, il faut que tu le vois toi-même. Viens, c'est par là. Oh, où? Juste à côté. Tu vas halluciner. Tada! Ça le fait, non? Ouais!
quand même. T'as vu ces merveilles? Merveille, c'est pas le mot qui me viendrait à l'esprit. Qu'est-ce que ça fout là? Comment ça? Pourquoi installer un stand de tir au pied d'un chalet de ski? Dis, toi, t'as jamais rencontré le père de Josh? Non. Il se prend genre pour Davy Crockett. Tu veux essayer? Non, après toi, Crockett. D'accord. Ok, allons-y. Waouh, joli tir, cow-boy. D'accord, je suis un dur. Je suis un gros dur. On va dire que c'est un cas désespéré de la chance du débutant. Non, tu te plantes, gamine. Bah, n'importe qui pourrait avoir cette bouteille à cette distance, vu sa taille. Joli tir. Et regarde-moi ça. Hey, Buffalo Bill, notre taxi arrive. Hey, je commençais juste à m'échauffer. Allez, Chris, le téléphérique. Ça, c'est bizarre. Elle est fermée. Josh voulait qu'on la laisse fermée pour pas que les gens rentrent. Il a dit ça? Quels gens? Je sais pas. Il a dit qu'on avait trouvé des gens qui dormaient dans la station. Après toi? Oh, un vrai gentleman. Enfin, on y va? Ouais, bah, je pensais plutôt rester là et roupiller, mais... Ok. Ouais, comme au bal de promo. Allons-y! Bien! L'aventure commence! Oh, j'espère qu'on va pas le regretter. Quoi? Tu sais, rassembler tout le monde à l'occasion de l'anniversaire. Parce que Josh avait l'air tellement motivé pour qu'on fasse quelque chose. Ouais, non, carrément, c'est clair. Je l'avais pas vu aussi motivé depuis longtemps. Bien, tant mieux. C'est dur de savoir avec lui. J'étais un peu inquiète. Non, c'était une bonne idée. J'espère que les autres le pensent aussi. On est tous là, non? Merci, c'était cool de te parler. Tu sais quoi, franchement, arrêtons d'en parler et profitons du trajet. Ah ouais, t'as raison. Tu sais comment j'ai connu Josh? Non. En CE2, Josh s'est assis au fond de la classe et moi au premier rang. On ne se connaissait même pas. Mais l'enfant assis à côté de Josh a commencé à tirer sur le soutien-gorge de la fille devant lui. Et le prof l'a fait venir au premier rang, là où je me trouvais. Ok, et? J'ai dû aller au fond. Et? À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et qu'on est devenus amis, jusqu'à aujourd'hui. Le couple idéal, quoi. Et si c'était justement parce que Jenny Simmons avait atteint la puberté avec 3 ans d'avance et que ce jour-là, son soutien-gorge avait dépassé de son décolleté? Hein? Qui sait? Tu pourrais être seul dans ce téléphérique en ce moment même? Ou carrément, avec quelqu'un d'autre assis à côté de toi? Boum! L'effet papillon. Tiens, de nouvelles personnes. Allons les accueillir. Oh, c'est quoi ça? Jess! Hey! Jessica, par ici! Mais qu'est-ce que vous faites là-dedans? On est coincés dans ce truc, là. Tu peux nous aider à sortir, s'il te plaît? Oh, putain, bordel. J'ai cru qu'on était fichus. 10 minutes de plus et j'aurais commencé à mâcher ma jambe. Oh, t'es un porc, Chris. Regarde, j'ai plein de viande sur mes os. Et c'est que du muscle ici. Ouais, bien sûr. Hop là. Hé! Eh bien, qu'avons-nous Chris là?
C'est pas vrai. On dirait que quelqu'un a un faible pour notre cher camarade et délégué de classe, Michael Monroe. Chris. Et quel genre de vilaine pensée notre Jessica pourrait-elle imaginer? Je me demande. Rends-moi ça, gros débile. Débile, c'est vrai. Mais fier de l'être. Oh, t'es vraiment trop con. Peut-être que les gros malins dans ton genre feraient mieux de se mêler de... leurs affaires. Ouais, j'évite de le faire, parfois. Allez, Jess, tu peux nous le dire. On sait garder des secrets. Peu importe. Vous le découvrirez tôt ou tard. D'accord, d'accord. Rentrons simplement au chalet. J'en ai marre de cette nature et de ces conneries. Allez-y en premier. Moi, je vais attendre un peu ici. Pour voir qui d'autre arrive. Tu veux dire Mike? Quoi? Je veux dire... peu importe. On verra. Sam? Oh, vous voyez cette vue? C'est vraiment magnifique. Parfois, j'oublie de juste m'arrêter pour respirer un bon coup. Sérieux, ils auraient pas pu construire le chalet juste à côté du téléphérique? Je pense pas que ça aurait été aussi joli. Tu vois? Et notre porteur, hein? Il est où? Oh, j'ai des frissons. Il y est presque. Non, c'est juste que je commence à flipper. Enfin, qu'est-ce que t'en penses? Ah putain, mec! Sérieux? Michael! Vous auriez vraiment dû voir vos têtes, sérieux. Putain, mec. J'ai failli te frapper. Sympa. Michael, t'es trop con. Oh, allez, on est tous potes ici, hein? On n'a pas besoin de violence, c'était juste pour se marrer. On est dans les bois, ça fout les jetons. Allez, faut se mettre dans l'ambiance. Se mettre dans l'ambiance? Sérieux? Tu te fous de ma gueule? J'essaie de détendre l'atmosphère, Em. Sois pas comme ça. Comme quoi? Arrête tes conneries, t'as toujours été comme ça. Michael, je vais laisser tomber, sinon le week-end entier va être gâché pour tout le monde. C'est très gênant, et nous le savons tous. Alors, pourquoi on n'essaierait pas de passer à autre chose, d'accord? Matt. D'accord. J'ai compris, je veux pas que ça soit bizarre. Super. On est cool? C'est cool. Vous allez vous ploter, maintenant? Oh oui, on veut trop se ploter. Non, c'est bon. Je vais aller voir le téléphérique en bas du chemin. Ok, à plus, mec. À plus. D'accord. À plus. Ah, oh, merde! Quoi? Tu peux prendre ça pour moi, s'il te plaît? Les sacs? Ouais, tous les sacs. Pourquoi? Il faut que j'aille trouver Sam. Ok. Ah, je suis désolée, c'est juste qu'il faut vraiment que je la voie. J'avais complètement oublié que je devais lui parler avant qu'on arrive là-haut. Ça peut pas attendre, on y est presque. C'est important. Matt, s'il te plaît. Bon, d'accord. Si c'est si important, je peux faire la mule le reste du chemin. Mais tu m'en dois une. Pardon? Bon, on est quitte au moins. Je vais y réfléchir. Fais attention. On se retrouve là-haut, chérie. Merci. Ouais. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Et pas vraiment dans le bon sens du terme. Faudrait peut-être vérifier la date de péremption de leur rupture. Ah! Oh putain! Bordel! Oh désolé. Désolé, H. Je suis désolé, je vais pas te bon faire peur. Bon sang, Matt. Ben, je voulais te faire peur, oui, mais pas te faire peur, pour de c'est vrai. C'est pas vrai, tu fais chier! Oh,
Non, mais désolé, sincèrement. C'est bon, ça va, ça va. Qu'est-ce que tu regardes? T'as vu un truc intéressant? Laisse-moi regarder. Non, c'est un peu cassé. C'est pas vraiment intéressant, quoi. Quoi? Enfin, c'est juste... Sérieux? Je parais que je pourrais trouver un ours en train de bouffer un renard ou un truc du genre. Non, vraiment, Matt, t'abîmes pas les yeux avec ça. Le simple fait de regarder dedans m'a donné mal au crâne, alors non, non. D'accord. Bah, pas de soucis, si tu le dis. Je peux les voir. T'es cerné. Mais qui suis-je pour répliquer? Quel autre choix pour moi, une jeune et jolie rebelle, que de me rendre face au policier mignon qui veut m'emmener au poste? Oh, c'est pas très gentil, ça. Hey, ah, merde. Va falloir faire mieux que ça, mon grand. Où est-ce que tu te caches? Tranquille. Hé hey. Oh. Y'a quelqu'un? Allez! Hey Mike! Boum, ça coule! Ok, ouais, tu m'as eu. C'est bien joué! Wow! Oh, oh. Ouais! Je l'ai trouvé, Jess! Et puis quoi? Oh, oh. Ça suffit! Oh non, ça suffit pas! Tu vas finir par terre. Je t'ai eu, c'est fini, bien fini. Alors j'ai fini par terre? Je crois pas. Je crois que tu le saurais si c'était le cas. D'accord, d'accord. Alors, te rends-tu, vil Manon? Vous êtes un brave adversaire, reine Jessica des boules de neige. Ok, ça sonnait un peu sale là. Madame? Waouh, garde-en pour plus tard, mon grand. Mes réserves sont inépuisables. On devrait rentrer au chalet. Ouais, c'est joli ici, pourtant. La vue est à tomber. Je veux dire, je pourrais rester ici, pour toujours, mais seulement si on restait à s'embrasser tout le temps. Juste s'embrasser? Bah, entre guillemets. Eh bien, je crois que nous finirions complètement gelés entre ces guillemets. Ouais. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous, hein? Oui. Êtes-vous resté en compagnie d'amis proches depuis la dernière fois, comme convenu? Aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir l'origine de vos angoisses. Prenez ce livre. Et feuilletez-le. Vous y trouverez des images et des symboles. J'aimerais que vous me montriez sur chaque page l'image qui vous effraie le plus. Je vous ai fait peur, mille excuses. Vous vous en sortez bien. Détendez-vous. Essayez
d'accélérer un peu. Plus vous fonctionnez à l'instinct, plus vos réponses seront franches et plus cette expérience sera source d'enseignement. Voilà qui est intéressant. Merci pour cette si grande application. Les serpents, les épouvantails, les loups. Drôle de combinaison, de quoi passer un bon vendredi soir. Ah, je regrette, la session touche à sa fin, mais... je vous promets que nous en reparlerons bientôt. I feel this way forever. I'm Tyron Jackson.